YouTube. Salut YouTube. Record battu. Regardez, il y a plus de il y avait c'était marqué hein, 619 joueurs sur Bannerlord. Mais je suis en galère pour rejoindre et comme vous voyez les chiffres montent, descendent ou quoi, parce que ça fout le crash et c'est galère. Si j'arrive à avoir des images, cette VOD continuera et on se retrouve du coup à ce moment-là. Des bisous. OK YouTube. J'ai changé de compte Steam pour pouvoir me connecter avec un autre compte. Et normalement, du coup, le serveur ne croit pas que je suis encore sur le serveur. Normalement, le serveur, il croit que je suis encore sur le serveur, là. Et c'est ça qui fait que je peux pas me connecter avec mon compte Captain Fracas. Là, du coup, j'ai un autre compte Steam sur lequel j'ai le jeu aussi, qui me permet de faire des tests quand je fais des mods sur le multi. Bref, voilà. J'ai un autre compte Steam qui a le jeu, quoi. On y va, je rejoins l'Empire. Les combattants qui sont sur le live, vous pouvez rejoindre. Et le record battu, vous avez vu, il y a 700 joueurs sur le serveur. C'est assez dingue. Et on va profiter de tout ça. En vue de haut. Alors je sais pas combien il y a de personnes qui ont sont encore en vie ou autre. Ah 170 contre 212. Voilà, on y est. Là il y a une petite ligne d'infanterie bien sympathique. Là aussi. Là ce sont les Vlandiens. Et nous allons jouer avec les combattants dans l'équipe de l'Empire. Les Violets. Donc on ressemble plutôt à ça. Est-ce qu'il faudrait que j'active les petites bannières au-dessus des joueurs ou non? Je sais pas trop. Je sais que pour les débutants qui connaissent pas trop le jeu et tout, c'est plus intéressant d'activer les bannières pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Mais très clairement, pour l'immersion, là, on est carrément mieux quand il n'y a pas des petites bannières. Regardez comme ils poussent. Regardez les Vlandiens. Les Vlandiens qui ont la mécanique et qui sont en supériorité. Regardez, ils ont percé par le centre. En poussant tous ensemble, ils ont percé la ligne. Oh là là, c'est quand même stylé. Hein. Bon, visiblement, tous les joueurs... qui sont habitués au jeu sont allés chez les Vlandiens. ce qui est compréhensible parce que les Vlandiens, c'est les joueurs les plus... Enfin, c'est la faction la plus forte en multi en ce moment. Merci beaucoup pour le train de live, combattant. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Je vous remercierai tous comme il faut en fin de live. Merci Max pour les 10 subgifts que tu as donné. Gorduk, l'Eldon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous remercierai bien comme il faut à la fin du live. Actuellement, je me concentre sur la session de jeu, bien sûr. Incroyable, plus de 700 joueurs sur Bannerlord sur un serveur. On va voir au moment du respawn, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Eh, honnêtement, on nous aurait dit à l'époque sur Warband, on pourra être plus de 600 sur un serveur Bannerlord. On l'aurait pas trop cru. Hein. On l'aurait pas trop cru. Ah, par contre, les gens qui spamment leur lien de site web dans le chat, alors ça... Ça, c'est la commu comme Warband qu'on aime, ça, bravo. La commu des clans, tout ça, là, on est au top. Oh, il y a 700 joueurs sur un serveur, vite, vite. Faut qu'on fasse de la pub dans le chat, envoie le lien, vite, vite. C'est maintenant, go, go. Oh, non, c'est pas possible de voir ça, on veut plus. Bref, on y est, fin du premier round. J'ai raté le premier round à cause des crashs, tout ça que j'avais. Le problème a l'air d'être réglé, hein, du moins si j'ai un autre crash, par contre on est baisé. Il va falloir que je télécharge le jeu sur le Game Pass pour avoir une troisième version du jeu. On verra comment je vais me débrouiller. Bref, il y aura un moment où le serveur va être relancé et on fera du siège. Ça va être très sympa. On y va. Je vais rejoindre les combattants en vocal. On est genre... combien 50 combattants en vocal. On est combien là? On est 70 combattants en vocal. Super, merci à tous d'être venus, c'est grave sympa. Et on va essayer de faire un peu de teamplay. Ok, re. Je suis là. C'est sympa en vue du dessus. C'est sympa. Par contre, tous les gros joueurs ont l'air de... Oh là là, la liste des joueurs quand tu fais tab. Elle fout la lag. C'est ça va encore, mais... c'est pas aussi responsive que... Genre là, je fais des scrolls. Genre scroll. Hop. Genre une demi-seconde de délai sur mon scroll, bref. Oh, les gens qui spamment leur... Bon, bref. J'arrête de regarder le chat. Je le cache. Je le cache avec mon corps. Le chat est cursed. Hein. All cave. Mais non, pas all cave. No. No cave. Jack. Ah putain, mais je suis pas avec mon pseudo Captain Fracas. Ah, j'ai été spotted. Vous n'avez pas vu. Coucou, allez, je mets coucou comme ça. Voilà. Vous aurez vu YouTube. Oh là là, les FPS qui prennent cher. On va afficher les FPS. T'as même pas le tag. Non, bah c'est parce que c'est mon autre compte quoi. Que voulais-je? Écoutez, on se rejoint tous sur la gauche. Je pense qu'on va aller du côté de la forteresse et tout.
point A, ouais. Show frame rate, putain, au point. Oh là là, c'est full buggé. Fais-le via Steam. Tu crois? Ouais, vaut mieux. Active le via Steam. C'est pas grave, j'ai tenté. Ok, 23 FPS, c'est parti. Oh, le petit 25. On est quand même avec plus de 700 joueurs sur le serveur. Ça tient. Et ça a l'air jouable. Par contre, t'appuies sur Alt. Hein. C'est un fichier texte, le jeu. un petit doc. Fracas, je jure, tu me donnes envie de rejouer à Warband alors que j'ai joué à Bannerlord. Avec la musique ? Bah, joue-y et puis tu verras vite que tu reviendras peut-être sur Bannerlord, je pense. Mais oui, c'était quand même bien à l'époque. On se rejoint au niveau de la tour, tous les combattants ? On essaye ça ? La tour est déjà investie. Ouais, en bas de la tour, on se met au niveau de l'escalier. En bas de la tour, ça peut être pas mal. En bas du bloc. L'escalier, go alors, go ouais, se mettre en haut de l'escalier. Les ennemis sont... oh là là, ils sont tous en dessous. En vrai, on peut les prendre par derrière. Hein. Allez, on se rejoint tous en haut de l'escalier. Hein. On peut tenter le... On fait mur de bouclier ici, ils arrivent sur nous. On tient ici, combattants. C'est ici qu'on tiendra. Ne leur donnez rien. Mais prenez-leur tout. Poussez pas derrière. Attendez. On va avancer dans le descente. On avance. Poussez-les. Il pousse mieux. Poussez, avancez. Levez le bouclier, avancez. On les empêche. On a besoin de monde, poussez. Ah, on aurait eu des armes, on aurait pu les flécher. Je suis assez con. Oh, c'est un délire. C'est un délire, les collisions. Poussez à gauche. À droite, on va être encerclé. Poussez, fermez tous ceux qui sont passés. Fermez la ligne. C'est un bordel. Tout ça à tour. Battez-vous. Non, battez-vous. Oh là 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 là, désolé la glitch, t'as pris un coup. C'était moi. Wouah. Oh, les 15 FPS là. Mais magistral. Putain, c'est fluide pour moi, c'est trop bien. Comment ça c'est fluide? Ah, moi j'ai 60-70 FPS là et c'est magnifique. Mais non, tu déconnes. Si, c'est magnifique en plus que je vois, parce que là c'est vraiment fluide. Mais t'as quoi comme option graphique? Oh, j'ai tout à fond hein. Pratiquement. Mais il déconne ou quoi lui? Mais moi, ah ouais, je passe en médium, ça va mieux. Non, moi je suis à fond, c'est juste que là c'est 60 FPS. Quand tu prends vu du dessus, tu recules un peu la caméra, tu vois tout le truc et c'est bon en fait. Enfin, à moi j'ai 60 FPS quoi. Oh, la tour qui est en train d'être montrée. Qui se défend. En performance vidéo. En performance. Ah, j'ai tout en élevé. Très élevé. Oh, ce bordel, ce champ de bataille monstrueux. Ah, tous ces joueurs à cet endroit là, hein. Y'a personne d'autre ailleurs. On avait vraiment 700 joueurs dans le field wall quoi. Ah, je sais pas, peut-être que c'est que j'exagère un peu, mais. On avait au moins 400, hein. Ah, y avait toute l'infanterie au niveau de là où on se battait, hein. On était sur la première ligne, hein. En moyen, c'est moins beau, mais c'est jouable. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut baisser un peu les graphismes et tout. Je vais tester. Là, on est vraiment sur une session test qui permet de tester les limites du jeu. Et du coup, on va tenter des trucs. Hein. Moi, je tente des trucs de mon côté aussi. Il reste des combattants qui défendent la tour, là. N'hésitez pas à tenter les kicks dans le mur de bouclier s'il y en a. Attention, il perce au milieu. Défendez l'escalier. Putain, mais y a aucun archer, là. On s'est encore fait déglinguer. Ok, les combattants, on va essayer de... Après, tous les clans, ils sont en face, j'ai l'impression. Parce que là, il y avait qu'un seul mur de bouclier de notre côté. Alors que chez eux, ils avaient un milliard de murs de bouclier. On se retrouve toujours dans l'équipe en désavantage, quoi. Tant pis. Bonsoir, j'apprécie vraiment ton contenu, Madeleine. Merci à toi. Un plaisir, merci beaucoup, merci d'être là. J'ai une config un peu faible et je tourne à 30 FPS.
Ouais, il doit y avoir un truc hein, en rapport avec les graphismes et tout. Moi j'étais vraiment bas. Après j'étais vraiment en première ligne aussi, tu vois. Il y a le truc de j'étais au milieu de 500 joueurs, je crois. Attends, regarde-moi ce que j'ai pas qui pourrait faire... Ah, peut-être enlève le flou cinétique et la profondeur de champ. J'ai mis en moyen. J'ai mis en moyen, ça va mieux là. Après, bon, c'est parce que tout le monde est mort, hein, mais... Non, parce que moi, j'avais tout à fond et ça allait, quoi. Après, tu t'enregistres, là. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est sur un autre PC, donc ça n'impacte pas les performances. Skybox, okay. Merci pour l'abonnement. Bah, je sais pas. Prenez pas d'archer, prenez pas de cavalerie, hein. Jouez le jeu, et cavalerie. Ouah, wow, comme ils cassent trop les couilles, les mecs, dans le chat. Et jamais personne va rejoindre votre putain de clan, là. Comme ils font trop chier. Non mais attendez, je vous montre un peu les guignolos là, mais regardez ça, un message sur deux, c'est des débiles là. Putain, ça va. Impossible d'organiser quoi que ce soit parce qu'il y a un milliard de mecs qui spam là, ça suffit. En vrai on va tenter, même si ça va pas faire qu'on va lead une... Venez à droite du champ de bataille. On va essayer d'aller du côté de C, genre, un peu dans la forêt et tout, et on va essayer de flanquer, un truc comme ça. Alors, possible qu'on se retrouve complètement déglingax, à se retrouver dans un coin tout seul, et puis on se fait déglinguer par des mecs qui sont trois fois plus nombreux. Hein. C'est fort probable. Mais d'ailleurs, en passant en moyen, j'ai gagné 3 FPS. Ouais, j'avoue que moi, ça va pas changer grand-chose au final. Hein. Ah, je vois Coolstan. Essayez de suivre les gens avec marqué combe en haut de leur pseudo. C'est les orgas du combat. Alors faites attention, il y a beaucoup de cavalerie. Venez, on se rejoint sur C carrément. On fait un mur de bouclier et on fait un cercle sur C. Oh, c'est un délire. Au cas où. Ah, le point, on peut même plus. Oh, levez les boucliers. Les lances, dites-moi que vous avez des lances. Désolé, étranger. Tark vient de mettre sur son Discord comment fixe les crashs. Common issue and workaround. Ah ouais? Oh, allez, tous sur. Waouh, ils nous ont pas vus, restez! Tenez la ligne! Personne nous a vus! Voilà notre cavalerie là! Oh, je crois qu'on va la suivre, non? Je crois qu'on va réussir à les flanquer. Tant pis, hein. Ah non, attendez, je crois qu'ils arrivent. Formez la ligne! Éparpillez-vous! Allez! Putain, ils sont où là? On voit rien, on comprend rien! Je crois qu'on va attaquer ensemble, hein. Allez! Avec moi! Suivez, je suis le premier devant là! Faites une ligne, on attaque comme ça! Faites attention derrière, ceux qui ont... Suivez Jacques... Oui hein. Il faut faire la séparation. Utilisez les lances pour défendre l'arrière si vous avez des lances. Parce que là, il y a de la cavalerie qui arrive dans notre dos. Allez, go! Oh putain, ça se téléporte et tout là. Allez, go! Oh, c'est pas grave, ils sont plus nombreux que nous, c'est pas grave, on y va! On attaque dans leur dos, on est en train de les flanquer! Déglinguez-les! Wouah, c'est un délire. Oh, désolé pour les TK. It wasn't intended. Du coup, pour ceux qui ont des crashs dans Super Événement, j'ai mis ce que Tark a mis sur son serveur. Merci beaucoup. Putain, ça c'est des orgas, ils sont au top. Hein. Ils reviennent sur B, repliez-vous. Fuyez jusque sur les barricades. Battez en retraite. Ah. Alors, si vous me voyez, je m'appelle Jacouille. On peut se mettre un petit peu sur les barricades en hauteur, mais... Y'a personne. Sur les barricades qui sont plus proches de notre spawn, là. C'est un délire. C'est deux quoi. C'est un délire. Ouais, bah je pense qu'on nous est tous envoyés à la mort. Néanmoins, je pense qu'on a fait quand même le bon move. On a fait plus de kills que ce qu'on a pris. Allez, on retourne sur B. Ils sont en train d'attaquer ça là. Ça va jouer au moral. Ah. Oh, je suis mort d'une chute. Ah non. Je me suis fait violenter. Ah, si y en a qui sont. Si des gens m'entendent et sont encore en vie, prenez B derrière eux. Oh putain, non. Allez défendre. Ah, vite. Oh la force, oh là là, le nombre d'archers qu'il y a là. Oh là là, oh la catastrophe qui se passe dans le mur, dans la tour. Y a pas un seul archer qui défend. Il y a toute l'infanterie qui est juste en train de pousser et qui fait tomber les archers. C'est majestueux. Bon, par contre, ils sont en train de se faire flanquer et puis ils sont déglingués au final. C'est que la tour, c'est plus le point, quoi. C'est bon, c'est gagné. Hein.
entre les archers, il y a plus de morts de TK en haut de cette tour que de morts de tir ennemi, j'en suis convaincu. Hein. Genre, comment tu fais pour tirer là? Sans mettre une flèche dans les potes. Après, les arbalétriers, ils sont bien placés aussi en face. Hein. Ouais. Putain, et. On va prendre quelques arbalétriers entre nous là, comme ça, t'as l'infanterie qui fonce et nous on flanque avec les arbalétriers. Hein. Ouais, les archers. On peut rejoindre le serveur? Tous ceux qui sont sur le live, vous pouvez rejoindre. Suffit de lancer le jeu en multijoueur, sans aucun mode, et vous rejoignez le serveur. Et si vous voulez venir en vocal avec nous pour suivre nos calls et tout, pour faire du teamplay avec nous, rejoignez le Discord des combattants, le lien est dans le chat. YouTube, si vous voulez venir pour les prochaines fois, venez sur le Discord des combattants, le lien est dans la description. Et venez sur le channel événement et suivez les calls qu'on fait en vocal et voilà. Eh, c'est serré là, hein. Oh, c'est cool, en plus si on a des games serrés, vachement cool à voir et tout. Hein. Ah, mais là ils vont reprendre A, on va perdre. Les archers ils bougent pas, ouais. Un peu deck de pas avoir mon compte Captain Fracas quand même. Bah, si jamais mais bon. Tu peux peut-être du coup là ce que j'ai mis dans le support événement. Ah ouais, avec le patch. Ouais, c'est ce que Tark a envoyé. C'est pas un patch, mais c'est un truc que Tailward avait mis sur leur forum et apparemment ça réglerait le problème du crash. Ouais, après bon. Ouais. Bah, c'est Tark qui le dit après. Ouais, après ça serait trop. Non, ça serait trop long de me reconnecter sur Steam et tout. Mmh. Tant pis. Ouais, je sais pas s'il y a moyen de dire. S'il y a encore des gens en vie là, vous dites together to the A flag. Faut vraiment que tout le monde sorte de la tour et y aille en même temps là. Juste go A. Ah voilà. Go A. Together. Du coup, mon nom en tant qu'infiltré est. C'est incroyable. Il a filtré là, il a filtré. J'ai perdu mon anonymat. Partout le renommer, hein. Je t'ai trouvé, je t'ai suivi, j'étais prêt à te suivre jusqu'au bout du monde, et tu es mort d'une chute. Quelqu'un dans le chat t'as boulé. Eh ben écoute, la prochaine fois. Merci d'être venu, hein. Merci d'avoir suivi le call. C'est ça, les combattants vivants avec toi. On va peut-être tenter un. Non, pas. On est combien? Ouais, on est trop pour prendre la responsabilité de on se met tous en archer. Après, ça serait quand même fun. Hein. Un peu en vrai. Hein. Ouais. Je t'ai dit, c'est pendant que vous êtes au cac à prendre des mecs au cac, on peut toujours essayer le flank avec des arbalétriers, quoi. Après, on n'aurait pas eu autant d'impact sur la game si on avait été beaucoup d'archers là, parce qu'on était vraiment en terrain ouvert, tout ça. Et moi, là, je sais pas combien il y a de rounds. Je sais pas, mais c'est à vous qu'un tiers des gars qui te suivaient sont morts par la cavalerie. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah. C'est vrai. Ah, moi aussi, freeze. Ah. Tout le monde freeze. Ouais, server not responding. Instantanément comme ça? Ça donne de la thune. Incroyable. C'est ce que Tark écrit. Hein. Ouais, j'ai monté d'un niveau là. Par contre, j'ai jamais vu un crash comme ça. Hein. Ou ça s'arrête pour tout le monde instantanément comme ça? YouTube, on se retrouve dès qu'on retourne dans une game. YouTube, on est sur un serveur siège, on est parti, il y a à peu près 500 joueurs qui ont réussi à rejoindre parce que le serveur a vite été relancé, enfin ils ont mis longtemps avant de relancer, puis ça a vite été relancé, du coup ça fait que, enfin une fois qu'ils ont relancé ça a mis pas longtemps avant de lancer la game quoi. Regardez-moi ça, tout ça c'est des joueurs là, oh là là, incroyable, je crois qu'on va tous rusher, combattant, essayer de jouer l'objectif à fond, à mon avis on est sur un serveur siège, au niveau des catapultes tout ça, il y aura largement de quoi faire. Il y aura largement des joueurs habitués du mode siège pour utiliser les armes de siège et péter les murs, tout ça. Du coup, donc on peut s'occuper d'aller choper le point A directement. Bon, bien sûr, ce genre de forteresse, à mon avis, n'est pas du tout équilibré pour autant de joueurs. Mais on va voir ce que ça donnait. Hein. Hop là, on essaye d'aider à lever l'échelle. Oh, j'y vais en premier. J'attaque la forteresse en premier. Oh, je vais prendre un caillou, c'est sûr. C'est sûr. Ah, j'ai laissé le. Oh putain. J'ai laissé le mec de derrière crever à ma place. Ah là, y'a peut-être moyen. Hop. Échelle de gauche, combattant. Échelle de gauche, ça passe. Ensemble, échelle de gauche. À gauche de la porte. Ensemble. On passe aussi à droite, hein. Ah ouais, à droite, c'est ouvert. C'est très grand ouvert. Oh la dinguerie. Combien de joueurs hein? Presque 600. Oh non, y'a un joueur qui passe pas.
Non, mais j'ai pas vu lui. Mettez-lui un coup de lance. Enfoiré. Oh là. Oh. Je vais enlever l'interface pour voir ce que ça donne un petit peu. Hop. Oh, la tour de siège à gauche. Oh, tous ceux qui respawnent, go tour de siège, je pense. Il y a la brèche aussi à droite, mais ils ont l'air d'être beaucoup au niveau de la brèche. Non, on n'est pas assez justement, ils tiennent bien. Ah, mais beaucoup d'ennemis, je veux dire. Alors que tour de siège, j'ai l'air de pas avoir grand monde. Du coup, moi je proposerais tour de siège. C'est quoi cet arbre tout orange là? Il y a un bug là. Ah, je sais quoi. Je suis coincé. Bref. Oh, regardez-moi ces tours de siège. Ah, ils nous ont percé à droite. Incroyable! Chargé! Ah, c'est vraiment stylé, ça fait vraiment des vibes de siège de l'époque et tout. Genre, t'as un milliard de mecs qui essaient d'attaquer la forteresse en même temps. Oh, ça bouscule, hein. Ça bouscule pour monter, y'a pas de retour en arrière. À l'attaque! Oh. Allez, on va choper le point E. Ah, viens, Smooth, le serveur est up là. Siège, c'est trop bien. Je suis là. J'y suis, j'y étais. On s'occupe du point E, combattant. Quoique, le point E, il est déjà tombé. On va au point D. Une fois que vous avez monté la tour de siège, vous passez à droite. Et après, vous montez dans la tour. On reste en bas pour péter les Rambos. Non! Il y a une contre-attaque, Ouais, mais on peut l'ignorer, non? Demande qu'on va prendre les points, c'est bon. Ah, ils ont récupéré A. Merde. Combattant, je crois qu'on va abandonner l'attaque sur eux et qu'on va essayer de terminer A, hein, parce que c'est hors de question. Ah, ils sont tous sortis, ils ont fait une sortie. Ils se prennent pour qui là? De l'autre côté, dans les murs, il y a plus personne. Ah ouais, on peut aller à droite là. Ouais, moi je dirais C. Go, combattant tous sur C. Tous ceux qui sont bien sûr pas sur la ligne de front. Tous ceux qui sont en train de respawn, tout ça. À chaque fois que je donne un call, c'est lorsque vous mourrez et que vous avez la possibilité de vous repositionner et tout. Hein. Ça va être chaud la défense. Bah, écoute, je pense qu'on ira en défense si on en fait une ou quoi et on verra si on y arrive. C'est vrai que là il y a beaucoup de joueurs qui attaquent, mais ils sont aussi beaucoup à pouvoir bloquer les points et tout. Hein, donc, c'est ça, suffit qu'il y ait 3 gars sur un point et ça bloque la cape, ça bloque le timer. Vous avez vu ce que j'ai pris là? Voilà, c'est aussi ça en attaque. T'arrives, il y a un 50 archers sur le mur. Clac, clac, clac. Difficile de se faufiler. Mais si on va tous sur C, là, il y a moyen, combattant. Hein. Mm. Oh, ça passe dans la brèche, My frames. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas glorieux les frames. Hein, mais là, en siège, je trouve que ça passe bien. En vrai, ouais, c'est la cave. Le gros souci, c'est la cave. Dès qu'il y a de la cave, c'est catastrophique. Et comme là on est en siège et qu'il y a presque zéro cave, parce que les gens ne peuvent pas l'acheter, ils ont pas assez de sous, parce que la cave coûte plus cher en siège, on est pas mal du tout, hein. Bonsoir Captain et bonsoir les commentaires. Salut Julien, bienvenue. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, hein. Là on est 600 joueurs, on est monté jusqu'à 700 en début de soirée, ramenez-vous, c'est très marrant, et on est sur le Discord des combattants en vocal si vous voulez faire du teamplay avec nous. Ils arrivent en paysan au niveau de C. Combattant dans... Je sais pas s'il y en a qui sont dans l'escalier là. Ouais non, ouais c'est le meilleur. Oh, ok, j'ai compris pourquoi le shield wall il se fait là. J'ai compris. Il y a un nombre d'archers ennemis. Non, il faut défendre là. Il faut défendre plus dans l'escalier. Poussez là. Oh non, c'est scandaleux là. Y'a pas un qui a suivi. Ah, oh, c'est compliqué. Le combat sera difficile mais on combattra. Ah, on peut spammer, c'est vrai, y'a pas de TK. Spammer comme des sacs! Oh, y'a pas de TK. Ah, ils ont enlevé le TK pour le siège. Je sais pas pourquoi. C'est pour aider les attaquants. Parce que pour les défenseurs, c'est bénéf le TK. Possible que ce soit le TK qui ait causé le crash et qu'il l'ait retiré parce que, à cause du TK, quoi. En tout cas, c'est un délire quand même. Hein. Bon, en vrai, l'interface n'est pas faite pour ça. Le nombre de kills qui défilent à droite, toutes les petites têtes de mort partout, l'interface est clairement pas faite pour ça. Mais quand tu l'enlèves, quand même très stylé. Hein. Ah, ça se téléporte un peu quand même là. Ah bon? Ah, quand tu regardes. En fait, quand tu regardes là où t'es pas censé regarder, ça se téléporte. Ah oui. Genre avec la petite touche 2 ou des trucs comme ça.
Mais autour de toi, là où tu combats, ça va. Tiens. Au point C. S'il y en a sur C, là, vous pouvez faire un petit million de bouclier pour défendre le point avec moi, là. Je suis au niveau de l'escalier. Faut faire gaffe, il y a les archers qui tirent du mur jusque sur C. Hein. Ouais, justement, j'essaye de faire un million de bouclier pour qu'on puisse défendre quand même dans l'escalier, mais personne qui suit colle. Ah, c'est mieux quand je m'appelle Captain Fracas. Ouais, mais c'est mieux quand on te voit aussi, parce que là, quand tu fais halt, c'est un document world, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, je sais qu'on est ultra dispersé et tout, mais... Bah, faut juste donner on la queue pour prendre l'échelle. Oh, c'est ultra violent comme gameplay quand même, hein. Wouah. En vrai, oh, là, de A là, ils vont sur D là, ils sont en train de monter là, les WD là. Les VD. Bah, y'a Trajan et Smooth qui y vont aussi. Hein. Ils ont récupéré C. Même on peut prendre D. D y'a moyen, ouais. Ah, D y'a moyen, ouais. Par les deux échelles là. Ah, go, hein. On y va. Salut, ouais. Salut Captain, juste comment on fait pour rejoindre la partie? Pour rejoindre la partie, vous lancez votre jeu en multijoueur, sans aucun mode, et... Attendez. Voilà, prends ça. Sans aucun mode, et vous rejoignez le serveur où il y a le plus de joueurs de la game. Enfin, de toute la liste des serveurs. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. On va pas vous cacher. Ça devrait être ok, là. Oh, ils ont pété le bélier, les salauds. Après, vu le nombre qu'on est, péter la porte à coup de marteau, je pense que c'est pas un problème. Ah quand même hein, on en est loin. La vache. Mais c'est bien joué de leur part. Hein. Ah que le les animaux là. Hein. Oh les ouvert la porte. Oh y'en a pas un qui fait la queue le là. Merde. Je suis monté pour mourir moi. Oh ça y est, ils ont fait une sortie. Non c'est pas dans un siège là. Ah si elle trébuchait derrière. Allez on va sur D et on défend hein. C'est possible, faut péter la baliste. Go! Avancez, poussez avec le bouclier! Ouah, ils sont beaucoup. Oh, je suis mort, je suis tellement mort. Try again! Putain mais ils sont combien là? C'est une muraille infranchissable. 323. Avec tous ces joueurs ça bug pas. Ah bah tu peux voir, j'ai affiché exprès mes FPS en haut à droite. On est à 20-25 FPS quoi. C'est la limite pour jouer quoi. Mais quand il fait pas attention que t'es simplement dans le gameplay et tout quand même... c'est quelque chose quoi. Et il faut garder en tête que voilà, c'est... À la base, le jeu n'est pas forcément prévu pour ça. Même si toute la communauté, c'est ça qu'elle attend. Hein. Mais Tellward, ils n'ont pas forcément prévu le truc à la base pour ça. Et du coup, là, ils sont en train de prendre conscience, moi, j'ai l'impression. En plus, j'ai l'impression qu'ils relancent le truc suite à l'événement des combattants qu'on a fait la dernière fois où je les avais invités. Ça a l'air d'être intéressant. Est-ce que c'est corrélé ou pas, j'en sais rien. Mais bon, ils voient qu'il y a de l'intérêt pour le multijoueur. Ils voient que la communauté veut plus de ça. Donc là, c'est Tellward qui a organisé ça. Donc c'est bien. Et leur but, c'est vraiment de récolter les problèmes techniques qu'il peut y avoir lorsque bah, y a autant de joueurs sur les serveurs, etc. Et donc, bah, tout ça, à terme, ça a pour but, ça a... c'est prévu que ça s'améliore, quoi. À la base, on pouvait juste pas... Putain, par contre, on est en train de se faire déglinguer, là. Merde, j'avais pas vu qu'on était en train de perdre aussi vite. Du coup, Bon, bah, tant pis. Hein. Tant pis. Du coup, ouais, le but, c'est que Tellwars voit ce que ça donne dans les stress tests, quels sont les soucis, tout ça. Et à terme, bah, ça va s'améliorer parce qu'ils vont faire des fixes, ils vont réparer les différents crashs qu'on a et améliorer les performances et on aura une meilleure expérience plus tard. Tellwars n'a très peu touché à l'amélioration de cette feature-là en question, quoi. On fait jouer à des centaines sur un, ça va. Bon, on aurait pu essayer de péter la porte, mais c'est compliqué, là. Hein. Le mur de gauche, c'est compliqué de passer. Le mur, les échelles, c'est compliqué de passer. Ils sont dans la cour devant la porte. Ah, c'est chaud. Hein. C'est loose, hein.
C'est loose. Le problème c'est que... Essayez de gosser là. Parce qu'avec autant de joueurs, on a un peu essayé de cap. Le truc c'est que dès qu'il y a un ennemi sur le point, on peut plus cap quoi. Donc ça bloque le timer. Oh là là, comment ça défile en bas. Ouais, regardez tout le CGG là. En vrai cool. Est-ce que ça marche le système de vote là? Est-ce que ça va pas tout faire péter? Oh là là. Votez au milieu, je vous prie. Ça fonctionne, hein? Ah, même du milieu est incroyable. Stop the count. Stop the count. Stop the count. Incroyable. Ah, ça va jouer quoi? Vlandi, hein, 100%. Ah, Batanien. On vote Batanien. Batanien en force. Elle est Vlandi, comme d'habitude. Organiser les élections. Oh là là, les surgiens qui sont revenus au dernier moment et qui veulent le prix. Oui. Une game sans Vlandien, j'ai jamais vu ça. Incroyable. Oh là là. C'est tous, ils sont combien sur le serveur? On est arrivé jusqu'à 700 joueurs et là on était, ouais, 620, un truc comme ça. Question, on prend quoi? On prend surgien ou un Batanien? On va se mettre en défense cette fois, je pense. Défense. Même si moi j'ai mon petit côté... j'aime bien prendre le challenge le plus compliqué et essayer de me mettre en attaquant pour le coup là et essayer de gagner comme ça, mais bon. Alors, montrons un peu, j'ai envie aussi de montrer du gameplay varié et de voir ce que ça donne côté défense là. Par contre, le serveur a l'air d'avoir planté. Il a du mal hein. Soit il a planté, soit il a du mal, mais je pense que c'est planté. 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 Je vois un ping sur l'annonce. Ah non. Non, c'est serveur is open. Mais... Is it crashed? Eh, au moins on a pu faire une game. Hein. Ah, non. Après c'était une game, dommage, ça a pas duré en longueur quoi. Ouais. Bah, c'était fluide pour peut-être moi. Pour donc, peut-être pour ça qu'on a pu la finir. Hein. Les FPS en prennent un coup. Assez ouais. Encore une fois, par contre, je suis assez confiant en le fait que Tailwars va peut-être pouvoir améliorer les performances, vous voyez. Faire qu'on récupère plus d'FPS, qu'il puisse y avoir plus de joueurs, etc. quoi. Régler les crashs. On va voir. Mais déjà là, c'est assez impressionnant. Bienvenue à tous sur live. Et merci à tous ceux qui sont venus en vocal. Hein, pour la session, ça fait plaisir. On a prévenu à la dernière seconde, mais c'est parce que au final, on a su il y a quelques jours, on savait pas trop s'il fallait y aller ou quoi, parce que j'avais l'impression à la base qu'il y allait avoir 15 personnes, quoi. Au final, la communauté s'est rassemblée et il y a le monde. On a battu le record ce soir, donc... plutôt cool, hein. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé. Le serveur durant la game était à bout. Alors c'est possible que le serveur soit à plus de 100 degrés et que ça fasse un blue screen sur le serveur, quoi. On l'a mis, là. Ça fume un max. Ah, ça y est, les problèmes de lobby parce qu'il y a trop de joueurs, ça y est. On y est. Vous arrivez à charger la liste des serveurs, vous? Ah, quand même, ça va. Suffit d'attendre un peu et d'être patient. Je suis toujours à veiller patienter quand la partie est terminée. Ouais, le lobby, c'est mort. Alors, est-ce que le serveur est de retour? Le serveur est de retour. Ah ouais? Absolument. Enfin, je... À moins que ce soit... Non, je suis en please wait. Non, c'est une connerie. C'est faux. Je me suis trompé. YouTube, on se retrouve dès qu'on est reparti. A tout de suite. YouTube, ça fait un bon trois quarts d'heure qu'on essaie de rejoindre le serveur, qu'il y a full bug et tout. Du coup, on est allé sur notre propre serveur custom entre combattants pour faire un petit cassage de gueule charge contre charge. Et après, on verra si on pourra rejoindre. Mais je voulais vous partager ça. Le combattant, chargé Taïo. Fait quoi lui? Il y en a, il a planté son pic dans le sol là, attention! Il est entre les choux et les salades! Oh là là, TK, je suis une pute, pardon! Non, c'est pas moi, c'est Jacouille qui a TK, c'est pas Captain Fracas, c'est Jacouille. Ah, mais un arbalétrier de votre côté là, c'est quoi cette blague? Oh, le chamber du curfew que j'ai sorti là? Si vous voulez vous repasser ce moment en ralenti sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. J'ai fait une parade en donnant une attaque, c'est une fonctionnalité possible dans Banner, pour ceux qui savent pas. Bien joué à celui qui m'a tué. Allez, c'est très équilibré. On y va. Les Vlandiens, sortez-vous les Ducs. Vous pouvez le faire.
Interdit de sortir du champ là, voilà. Petite nouvelle règle. Nouvelle règle. On va mettre des clous. Avec le tétanos. Ça se bat dur là. Ça try hard. J'ai pris un carreau. Mon fun, il s'est parti direct. L'arbre est trié dans les choux. Comment ça, arbre est trié? De ton côté, il y avait un arbre est trié qui était au niveau des caillasses qui tiraient. La risée des combattants là. Ah, totalement. Ah, il y a un petit ping côté événement, est-ce qu'on a des infos? C'est pas toi, Führer, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. We'll be ending the event for tonight. We reached more than 730 players. On est arrivé jusqu'à 730 joueurs du coup. C'était super épique. C'est le community manager de Tale Wars qui nous dit ça. As we've all seen, we've run into some technical issues that we'll be addressing. Donc comme vous l'avez tous vu, on est tombé sur des problèmes techniques qu'on va régler. Merci d'avoir rejoint. On espère que vous vous êtes amusés. On a hâte de vous retrouver sur le champ de bataille une nouvelle fois. Voilà, de la part de Jean, community manager de Tale Worlds, qui nous dit ça. 730 joueurs, c'est le nouveau record à battre sur Mountain Blade de Bannerlord. Ça passe en infanterie. Sur YouTube. Non, cavalerie, il y a une autre charge là. Rapide. Allez, on fait pas tout le temps. Hein. Légère. On fait tout le temps. Légère. Ouais. Mi-chemin. J'accepte. On reforme les lignes aux mêmes endroits et on va conclure là-dessus avec YouTube. Mais du coup, YouTube, si vous voulez venir et participer à ce genre de session, que ce soit les événements des combattants qu'on fait d'habitude, ou là, la prochaine session, apparemment, Tale Wars va essayer de régler les problèmes. Et il semblerait qu'ils soient sur une lancée où c'est eux-mêmes qui organisent le truc, alors qu'avant, c'était nous qui poussions. Là, c'est le community manager de Tale Wars qui est venu voir la communauté et qui a dit on va faire une session, est-ce que vous pouvez essayer de vous passer le mot et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc ça va se repasser. Et vous pouvez être sûr que je vais vous tenir au courant le plus rapidement possible dès qu'on aura l'information. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Là, on était 70 parce qu'on a prévu au dernier moment. J'espère qu'on sera au moins une centaine pour la prochaine fois. Si on peut être plus et faire péter les serveurs parce qu'on est trop et voir quelle est la limite ultime d'un serveur Bannerlord, ça serait très très cool. Ce qui nous permettrait de nous mettre une limite pour nos propres événements. Hein, ça permettrait de savoir. Après, si on sait que c'est 800 nombre de joueurs max sur Bannerlord, et ben on essaiera de faire des événements des combattants pour 800 joueurs, même si on sera pas forcément 800 dès le début. Hein. Mais ce sera notre objectif en tout cas. Et voilà. Donc, rejoignez le Discord des combattants. Je ferai une annonce, peut-être que ce sera samedi prochain, on sait pas, hein. Peut-être que ce sera dans 2 semaines, 3 semaines, à voir. YouTube, mettez un pouce bleu et un commentaire. On se trouve au prochain combat. Et on est parti, combattant, chargé. Vous m'aurez pas cette fois. Interdit de sortir des cailloux, là. L'arène, c'est des cailloux. Même si vous tombez de cheval, interdit de sortir. Le cercle de cailloux. Comment ça, c'est le cheval qui a tapé? Attention aux rats qui sont au sol. Oh, lui. Putain, les Vlandiens ont été ralliés là. Ralliez-vous à moi! Là, battez-vous. Ah! Oh là. C'est pire qu'un jeu d'horreur, ce truc là. Un screamer d'un mec qui vient dans ton angle mort là. Ah, lui. Oh. C'est difficile sans les bannières de pas faire de TK. C'est compliqué. Allez, trouvez les derniers impériaux. Trouvez-les, tuez-les! Oh, c'est mieux de le faire à la lance. Hein. Ah, il s'est fait pousser, le pauvre! Bon, alors il est où le dernier là? Il est là! Il est mort. Bien joué! GG combattant! Bon, bah, ça aurait été une. On va toujours up un serveur des combattants, je pense, lors de ces events, comme ça on peut toujours migrer, je pense que c'est le bon move. Du coup, d'ailleurs, petite dernière info, ce serveur-là, il est fait pour les sessions toutes les semaines organisées par les orgas du combat.
que vous entendez en vocal avec moi pendant qu'on fait ces sessions-là et tout. Bah leur but, c'est de faire vivre le Discord et de faire des sessions, tout ça. Et souvent, bah, si vous voulez vous améliorer pour être meilleur pour les sessions PVP comme on a là et tout, on fait des sessions group fighting toutes les semaines. Et donc, c'est comme là actuellement, sauf que c'est sur des maps plus petites. Chaque joueur a qu'une seule vie et on s'entraîne à jouer en team play. Et puis voilà, à bosser les attaques directionnelles, les défenses directionnelles, tout ça. Ramenez-vous nombreux. Et puis, il y a aussi plein d'autres événements comme demain, Black Wake. Ça va être sympa. Des bisous YouTube, pouce bleu commentaire si ça vous plaît, martelez-moi ça, le record a été battu et on ira plus loin. Je compte sur vous. Des bisous.